Coucou les filles, je suis Xenia. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une seconde vidéo. Aujourd'hui, je viens vous montrer mes cadeaux de Noël. J'étais super contente de mes cadeaux. Vous allez voir en fait que je vais avoir d'autres trucs après. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Le plus gros cadeau, ça, c'est un nouveau téléphone. Donc, ma wishlist est vraiment similaire à mes cadeaux de Noël. Donc, voilà, mais j'y peux rien, c'est mes parents. Bref, donc j'ai eu mon Samsung Galaxy grand. Il est vachement grand. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc likez la vidéo si vous voulez le tag Everything on my phone. Je le ferai sans plaisir, avec plaisir. Ensuite, toujours dans ma wishlist, le DVD de Kev Adams, donc son nouveau spectacle Voilà Voilà en juillet, enfin en novembre à Lyon. Le souci c'est que en fait je voulais prendre les billets en juillet et vu que je savais pas à quelle heure je finissais le vendredi, mais c'est pas grave, je l'ai. Puis je pense que je pourrais le revoir un autre jour. Voilà quoi, comme si c'était mon pote. Dites-le-moi en commentaire si vous l'avez vu. Moi j'ai toujours pas vu parce que j'attends le bon moment. Je crois que je vais le regarder tout à l'heure. J'ai trop envie. Et on a toujours un jeu de société, moi et mon frère. Et du coup, moi j'ai choisi le fameux Vendredi tout est permis. Alors vous allez me prendre pour une gamine et tout, mais pas du tout. Franchement, ce jeu, je l'adore. Vraiment, c'est le jeu à avoir. Donc, moi quand je regarde ça, franchement, ça mourir de rire. Je pleure de rire quand je regarde la télé. Et j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc, bien, c'est que dans les règles de jeu, on peut scanner, vous savez, les trucs là, comme on peut scanner, enfin bref, les trucs comme ça, et la voix d'Arthur. Et je comprends pourquoi il vaut 30€ le jeu, quoi. Donc voilà, il est vraiment complet. Et franchement, pour une soirée, quand on est nombreux, c'est super. Là, en fait, hier, je suis partie faire un peu de shopping. Mais en fait, ma mère voulait me faire plaisir parce qu'elle trouvait, enfin voilà, elle voulait me faire plaisir. Et donc, du coup, ça fait partie en fait de mes cadeaux de Noël. Et donc, du coup, ma mère m'a acheté ça. Donc, bien sûr, j'étais avec elle. Une palette. Il était une fois au pays des merveilles, petite palette de maquillage, donc small makeup palette de chez Marionno. Packaging, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je vous montre la palette parce que je l'adore. Je me suis maquillée aujourd'hui avec, on va rien voir, mais voilà, elle est trop belle. En fait, ça c'est genre les idées de cadeau de Noël, vous voyez. Ouh, bref, je la trouve trop belle et elle est hyper complète. Alors les fards, franchement, deux colonnes de rose, vous avez trois colonnes de nude, colonnes de bleu, enfin de smoky. Et ça, franchement, cette palette, elle est hyper complète. Je la trouve petite, enfin épaisse, mais petite pour le voyage. Donc c'est genre parfait. Et tous les goûts, vraiment. Voilà. Notamment aujourd'hui, je me suis maquillée avec ce fard-ci. Voilà, qui a pas de palette, qui a rien. Genre, c'est juste pour unifier la paupière. J'ai utilisé un. Et au coin externe, celle-ci. Voilà, vraiment trop belle. Et ce qui est bien, ce qui est pratique avec les palettes Marionno, et j'adore, c'est que genre on peut faire comme ça, et voilà. Alors, par contre, ça ressort, je vous ferai bien entendu une capture, un zoom, comme j'appelle moi, un zoom sur la palette. Ouais, c'est ça, donc ils sont trop beaux. Et des lipsticks, personnellement je les utilise pas trop, mais c'est plutôt sympa. Ouais, donc c'est des lipsticks, c'est pas vraiment des gloss, enfin, voilà. Et je l'adore. Franchement, je sens que je vais faire un make-up avec parce que ça tue. Aussi chez H&M, je me suis pris un jean que j'ai craqué aussi. Donc en fait, c'est un slim. Voilà. Genre élastique, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment comme ça. Donc voilà. Ça s'appelle des skinny. Donc super stretch. Et ça m'a coûté 14,90€. Mais voilà, on s'en fout du prix. Mais alors, on va rien voir. Voilà. Et je l'adore. Je l'ai pas porté, mais voilà. Et un bijou que j'ai craqué, que tout le monde a, c'est les fameux colis qui se présentent comme ça. Je trouve ça trop. Regardez-moi, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça juste comme ça, avec un noir, avec un truc hyper banal. Bah, franchement, ça lui vraiment toute la tenue. Et c'est ça, vraiment. Ça m'a coûté 9,40€ pour un collier comme ça. Franchement, je trouve que ça va. Et il est magnifique. La chaîne, elle est toute.
toute fine et tout. Enfin, je trouve que ça fait vraiment trop trop beau et j'ai hâte de le porter. J'ai eu de l'argent par mon parrain, sauf que le souci c'est que je ne sais pas pour vous, mais en fait la poste est en grève. Enfin, donc le truc d'envoi c'est genre compliqué, ça veut pas et tout, donc bon. Mais en gros, mon parrain m'a envoyé, enfin, vu qu'il habite à 500 km de moi, donc quand même, voilà. Le souci c'est que je les ai toujours pas reçus. Et du coup, j'attends et puis je ne sais pas du tout avec ça ce que je vais m'acheter. Voilà. Et ma mère va me prendre le sac, vous savez, de Gémeaux que je vous avais dit. En fait, ma mère, elle a complètement zappé ça. Parce que je lui avais fait une liste, voilà, elle a dit déjà que t'en avais beaucoup. Celle-ci. Voilà. Elle savait en plus que je voulais cette palette, donc du coup, elle me l'a acheté le lendemain. Voilà. Et quand je suis allée à H&M, j'ai craqué sur ça. Enfin, bref. Donc, moi, il me manque plus qu'avoir mon sac Gémeaux que j'adore. Je l'avais déjà montré dans ma wishlist. Et après, avec mon argent, je ne sais pas du tout. Vu que je viens de recevoir une palette, au début, je voulais avoir la Nike 2. Mais du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, bon. Voilà, mais. Voilà, vu que j'ai cette palette, je ne sais pas du tout si je compte m'en racheter, quoi. Racheter la Nike, même si j'ai trop envie. Je sais pas, enfin. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais y réfléchir. Ou je réfléchis un peu à la Too Faced aussi. Qui me donne. C'est vrai que. Depuis longtemps, je voulais avoir la Naked et tout. Mais là, je sais pas du tout. La Naked 3 me donne pas du tout envie. Mais la Naked 2 me donne énormément envie. Vu que c'est mes tons à 100%. Le nude, c'est voilà, c'est vraiment des tons. Donc, ouais, je vais aller bien à Sephora. Et je verrai. Mais j'aimerais aussi me prendre la chocolate bar. Elle est vraiment très belle. Donc, pendant les soldes. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés. Que vous avez pris... un plaisir de faire Noël. Voilà, aussi que mes vlogs vous ont plu. Le vlog numéro 5, je vais pas vous poster parce qu'il y a rien du tout, quoi. Je vous ai pas trop filmé, quoi. Donc je ne vous le posterai pas. Donc du coup, il y avait que 4 jours, je suis désolée. Mais bon, voilà, au moins c'est chose faite. Voilà. J'espère que vous avez profité de vos proches. Et puis, bah voilà. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!